Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler en détail de ma collection de make-up. Merci, Amy, pour l'idée. Et on va commencer par les bronzers. Attendez, j'ai mon bracelet qui s'est accroché dans mon pull. Ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant, ça m'a fait un fil. Bien. Donc, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne d'Amy où elle a montré tous ses bronzers. Bon, elle les a appliqués tous sur sa face pour vous montrer l'effet. Moi, je ne vais pas me donner la peine de faire ce genre de choses. Donc, je vous remets sa vidéo en barre d'infos. Je vais bien sûr demander l'autorisation de la copycater. Voilà, c'est pas elle qui a eu l'idée de la vidéo, hein, on est d'accord. Mais moi, je l'ai vue sur sa chaîne. Donc, c'est sa vidéo que je vous partage. Voilà. Donc, vous allez voir que les bronzers... Ça va être probablement la vidéo la plus courte de cette série, puisque j'en ai que 6. Voilà, puisque je ne garde pas... Surtout, les bronzers sont très difficiles à terminer. Je ne garde pas juste pour garder, donc j'ai pas énormément de stock de produits. J'ai beaucoup de backup, j'ai pas beaucoup de produits. Donc, on va commencer par deux qui sont à égalité. Je vous les ai même mis dans l'ordre, vous voyez, incroyable. Qui sont à égalité pour moi parce que ce sont deux bronzers chauds que j'utilise beaucoup moins que les fards de contouring. Les autres, c'est du contouring. C'est les deux-ci. Donc, un de Manon, un de Amy. Ils sont à l'endroit. Ça a l'air. Donc, le Kiko Unspected Paradise, je l'avais reçu dans un swap de la part de Manon. Alors, le packaging, on n'en parle pas. Hein. Bien sûr, c'est Kiko. C'est Sublime. Un grand miroir. Et voilà, le truc fait 15 tonnes. Il est somptueux. D'ailleurs, à choisir, j'ai quand même une toute petite préférence pour le Kiko, bien que il soit... oh, non, c'est à peu près les mêmes teintes. Non, j'aime les deux pareils. Il a une odeur divine de mon œil. J'adore cette odeur. Donc, elle me l'avait pris en teinte 02 Universal Sienna. Et le bazar fait quand même 20 grammes. Donc, il y en a pour un bon moment avant de le terminer. Vous voyez, pareil pour l'autre, hein, vous allez me dire. Donc, je vous note les prix au fur et à mesure parce que je ne les connais pas par cœur. Mais voilà. C'est vrai, franchement, pour moi, ils sont à égalité les deux. Et ensuite, à part d'Amy, dans notre autre swap, j'avais reçu le Splendour Ultra Matte Bronzer Fair to Light de chez Révolution Glow. Donc, le packaging... Très chiant parce qu'il garde les traces de doigts, il réflecte les choses et tout ça, tout ça. Et il fait un grammage de 5,5. Je vous ai pas swatché le Kiko. On recommence. Donc c'est un fard cuit, ça j'aime un peu moins. Mais vous voyez, bon, il est chaud, mais pas tant que ça. Hein, c'est... Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Il est légèrement, mais alors très légèrement satiné. Quoique là, vous voyez bien, 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 bien satiné. Donc, c'est la différence avec l'autre. Donc, voilà. Je l'ai en Fair to Light. C'est la nouvelle teinte qui est sortie. Pareil, hein, vous en avez pour une vie à l'utiliser. Puisqu'il fait quand même 15 grammes. Donc, c'est 5 de moins que le Kiko. Mais le prix est moins cher aussi, me semble-t-il. Il est mat, celui-ci. Et il a à peu près la même teinte, juste un tout petit peu plus foncé. Voilà. Mais même beaucoup, beaucoup plus foncé, en fait. Donc voilà, si je devais leur donner un ordre, finalement, ça serait d'abord le Kiko, enfin, le Kiko en dernière position et le Glow après. Juste du fait que celui-ci soit satiné et un peu plus clair. Par contre, les deux se travaillent divinement bien. Bah, de toute façon, tous ceux que j'ai, je vais vous dire la même chose. Hein. Ils se travaillent divinement bien. Ce sont des bronzers qui se fondent à la peau. Voilà. Alors, en quatrième position, j'ai le Sculpt Glow de chez Focalure. Donc, c'est un produit pas bien cher et franchement, je l'adore. C'est le 02, donc c'est le Capri Coast et le Jasmine, puisqu'il y a un highlighter avec. Donc, ça, j'aime un peu moins. Alors, je vais vous enlever le miroir. Vous allez voir que j'ai le problème dans un autre bronzer. Là, c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé qu'il sorte ce format-là, mais les bronzers uniquement, parce que j'adore ce bronzer. Il est limite crémeux. Il a une teinte... parfaite pour le contouring, c'est vraiment un taupe. Il se travaille magnifiquement bien. Donc il est ici. J'adore ce bronzer. Voilà.
Je pense que c'est le prochain que je mettrai dans mon project pan. Voilà, dans mon project pan. Celui qui est dans la, pour l'instant dans le project pan. Ah, je vous ai pas donné la contenance, mais c'est pas marqué. Donc je vous le note, je vais essayer de retrouver l'info et je vous note ça. Qui est dans mon project pan actuellement, donc je vous mets la vidéo en barre d'infos. C'est celui-ci, donc c'est un trio de teints de chez Révolution en collaboration avec Patricia Bright et c'est le Moonlight Glow. Là, on va s'intéresser que au bronzer que vous allez voir. J'ai tanné le bazar, voilà, il y a un trou dedans. J'adore le blush, l'highlighter un peu moins. Donc là, j'essaye de finir le bronzer et d'utiliser au maximum le blush. Et quand j'aurai fini le bronzer, je jette le reste de la palette puisque je ne vais pas le garder juste pour le peu de blush qui reste parce qu'il est creusé aussi un blush. Mais alors pareil, hein, qualité, c'est pour ça que j'ai revendu mon Anastasia. J'avais acheté le Anastasia, la palette Italian Summer là. Celui-ci est mieux et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Non, je suis en train de vous le remettre sur l'autre. Ça va pas aller, ma chérie, hein, si tu fais ça. Alors, il est un petit peu plus chaud que celui de chez... Focalure, vous allez voir. Voilà, ici, vous avez le Focalure. Ici, le Révolution. Donc là, vous voyez bien toutes les teintes. Pour l'instant, j'ai pas deux teintes qui se ressemblent. Hein, donc, c'est très, 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 très bien. Et la contenance fait 2,2 g en tout. Donc... ils font 0,068 oz. Ils font un peu moins d'un gramme, quoi. En gros, je veux dire, ils font 0,8 à peu près. 8, 16, 24. Ouais, à peu près ça. Chacun. Donc, mais bon, le prix, je crois que c'était 9 € la petite palette. Donc, vous voyez, c'est pas bien cher. Un que j'avais, c'est le moins cher que j'ai. Parce que je l'ai eu en promo, il était à 2 €. Je ne sais pas s'il existe encore, par contre. C'est le Prime and Fine Professional Contouring Palette. Donc, ça fait 10 grammes. C'est la teinte Haché Radiance de chez Catrice. Donc, ça fait 10 grammes. Donc, je pense que c'est 8 et 2. Il y a un highlighter. Donc, celui-ci est plus petit que le bronzer, ce que je trouve plus logique que pour chez Focalure. Mais la teinte, c'est pareil. Et la qualité, il se travaille aussi divinement bien. Il est un peu plus sec que les autres que j'ai. Il est ici. Mais je l'adore, ce bronzer. Voilà. Très beau. Ici, c'est le Catrice. Mais ce que je trouve dommage, qu'il y ait toujours un highlighter avec, au minimum, quand il y a les trois, je trouve ça bien, parce que vous prenez ça, vous avez bronzer, blush, highlighter. Là, voilà. Quoi. Bon, après, c'est sûr, c'est une palette pour faire le contouring. Moi, je ne me sers pas des highlighters qui sont dans les palettes-là, parce qu'ils ne sont pas assez pour moi, quoi. Mais voilà. Et le numéro 1, le chouchou de mon cœur en bronzer, si vous me suivez depuis quelques temps, il n'y aura aucune surprise, c'est le Nabla. Donc c'est le Skin Bronzing en teinte Soft Revenge qui fait 6,5 g, donc il est un peu plus cher que les autres que j'ai, mais c'est mon préféré quoi, vous allez voir. Hein. Je l'ai eu dans le swap de la part de Manon, et oh mon dieu, il est creusé déjà le bazar quoi, vous voyez. Mais il est magnifique. Il fait 6,5 g. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Il se travaille à la perfection. On l'applique. On a l'impression qu'il se fond à la peau. Je vais vous le mettre ici en dessous de tous les autres. Il se fond à la peau. C'est... waouh ! Il est magique, ce bronzer. Voilà. Il est ici en dessous. Il est sublime. La teinte est parfaite. La tenue est parfaite. Il n'y a que le prix qui n'est pas parfait, parce que c'est pas hyper cher, hein, il est à 22 €. C'est pas non plus du grand luxe. Hein, mais voilà, je l'adore. Donc bon, avant que je finisse tout mon stock de bronzer, parce que oui, j'en ai que 6, mais imaginez-vous, pour les finir un jour, c'est limite impossible, surtout quand on a les deux poids lourds, là. Mais voilà, pour l'instant, j'essaye de terminer absolument celui-ci, parce qu'il est dans mon project pan de l'année. Donc là, je pense que ça va aller vite. De toute façon, au bout d'un moment, il va se détacher vu qu'il est décollé au bord du pan. Je préfère quand il creuse au milieu. Ensuite, on passera sur le Focalure puisque c'est une des plus petites contenances que j'ai, je pense. Et là, pareil, hein, je vais utiliser que le bronzer et ça ira à la poubelle quand il sera terminé. Pareil pour le Catrice. Mais comme ça, vous avez une petite idée de l'ordre des bronzers que je vais utiliser par la suite. Et le Nabla, je l'utilise quand j'ai envie d'utiliser en essayant de... J'ai l'oreille qui me gratte, hein, vous m'excuserez... Je crois que j'ai été piqué par un moustique juste ici.
Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ceci explique cela. La gratouille d'oreille, c'est à cause d'un foutu moustique. Là, aujourd'hui, je porte donc la Révolution, puisque c'est celui que j'ai dans mon projecte-panne, et vous voyez qu'il est, il est canon, quoi. Canon, mais alors. Oh. Bah, de toute façon, je les adore tous, mais alors c'est vrai que le nab, là, j'ai eu un réel, réel, réel coup de cœur. J'avais pas eu de coup de cœur bronzer à ce point-là, quoi. C'est un truc de fou. Hormis celui-ci. Franchement, j'adore. J'avoue que celui-ci, j'avais bien craqué dessus aussi. Donc voilà, le prochain, ça sera les blushs, je suppose que pour Amy aussi, elle me l'a pas dit. Je vais aller lui demander juste après. Et est-ce que vous voulez du coup que je vous fasse mes produits à sourcils? Donc là, ça ne sera pas que des. Du maquillage de sourcils, mais tous mes soins et tout ça, spécial sourcils. Tant qu'à faire, autant, vu que je suis une obsédée des chenilles, autant que vous fassiez la vidéo poussée, vous expliquer un peu ce que je fais et comme soins et tout ça. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire si jamais ça peut vous intéresser. N'oubliez pas au passage de laisser un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain en live à 20h. Attendez, je vérifie sur mon planning pour ne pas vous dire de conneries. Parce que j'ai l'habitude en ce moment de dire des conneries. Donc, on est là. Ouais, demain à 20h en live, dimanche avec le weekly vlog. Et ensuite, on repart sur une semaine complète de vidéos. Donc, on se retrouve demain, du coup, dans le live. Donc, n'oubliez pas, c'est à 20h. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.